Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la période sur l'épisode de Mad Max. Comme prévu dans le précédent épisode, nous allons aller taper dans le vif du sujet avec le le caïd Gueule de Fion. C'est pas moi qui l'ai nommé ainsi, c'est directement les développeurs du jeu, hein, je tiens à le rappeler. Et donc je vois. Alors apparemment, il faut que je le fasse comme ça, sinon ça va pas le faire. Pourquoi il y a un point? Regarde. What? Je peux tirer dans les oiseaux? Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'ai envie de le faire? Et ça donne de la bouffe? Putain! Un instant. Voilà, re, chers amis. Donc, si je fais des ellipses comme ça, c'est parce que je veux avoir le bon nombre d'épisodes. Aïe. Et je sais que je vais les trouver. Alors. Une relique, 4 emblèmes, 9 ferrailles. Plus le bonhomme. Que du plaisir. Sésame, ouvre-toi! Salut les mecs. Tu sais quoi? Essaye un de tes propres trucs après. Hop. Voilà. Non. Oh mais quoi? Aïe. Mais ah, j'ai des... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, là c'était moi. Là je reconnais. Là c'est bon. Et vous êtes de part... Vous en sortez de partout là? Eh ben non, ça c'est con pour toi. Raté. Dégage. Oh mais non, mais j'aurais dû toucher là. Non. Respecte mon autorité. Il m'a regardé en disant, non je tombe, c'est bon, je tombe. J'ai décidé de tomber, t'inquiète pas, je suis mort. Hop, on a plein de ferrailles sur nous par contre. Ça c'est cool. Alors, on va récupérer un couteau. Il nous reste quand même 4 emblèmes et 9 ferrailles à trouver, on a rien. Bon, on a une ferraille. Il n'y avait pas de l'eau juste à droite là. Du coup on va boire un coup. Ah, par contre ça c'est naze qui lâche l'arme pour boire un coup. Hop. Bon là par contre c'est utile. Hop. Parfait, je te remercie. Merci Robinet. C'est Rob qu'on l'appelle dans son intimité. Oh putain. Ceinture de munitions pleine, d'accord. Bon. Ça tombe bien. Hop. Putain, il est solide celui-là. Voilà. Putain, ils sont ébouffés des coups l'autre trou du cul là. Oh la vache. Il y a un emblème de Scrotus ici. Je peux le toucher de là. Un autre lab. Ah oui, par contre là je vais pas le toucher je pense. Si. Je touche. Ok, c'est parfait. 1, 2 et 3. Un petit peu de ferraille. Il était temps d'en trouver un petit peu plus quand même.
C'était par là, oui. Bon, c'est pas grave. J'ai gaspillé un tir. Mais de toute façon, c'est les armes qu'il aime pas. Les armes de corps à corps. Mais bon, je pense pas que ça vaille la peine d'en trouver une déjà dès tout de suite, dès maintenant. Je vais juste regarder par contre s'il n'y a pas le petit passage là. Non. Donc on monte par là. Hop. Parfait. J'ai vu de l'essence. Ah non, c'est pas de l'essence, c'était une pièce. Donc, quête de ferraille. Donc là, c'est un cul-de-sac. Donc je vais d'abord regarder le cul-de-sac. S'il y avait autre chose que l'emblème de Scrooge. Voilà. L'emblème. Enfin, la relique historique, pardon. Le réseau est en panne, bébé. Je t'envoie cette lettre en espérant que ça marche encore. C'est ce qui s'est passé devant notre porte hier soir. Des gens ont interceptionné une voiture des flics. Des gens ont commencé à tirer, à lancer des pierres et tout. Reste dans la cabane. Je viendrai dimanche. C'est trop dangereux ici. C'est violent, ça. Ouais, je suis pas sûr non plus que ça existe encore. Mais enfin bon. Faut garder espoir, Max. Faire tomber l'échelle. Voilà. Avant toute chose. Allez. Il est un peu lourd quand même. Hein. Et 3. Donc là, c'est pour revenir au début. Là, c'est la porte là-bas. Ça, je l'ai visité là-bas. Je sais plus. On va voir. On a une échelle de toute façon, donc on peut remonter. Je dois avouer que je ne sais plus. Apparemment, non. On a bien fait de revenir. Hop là. Parfait. Et 5. Génial. On va quand même prendre une arme de corps à corps au cas où. Hop, et là on monte. Alors, bon, jusque là ça se passe plutôt bien. J'ai un peu l'impression qu'on va quand même arriver sur le boss là. Ouais, pour moi c'est le boss là. Et il me redonne des trucs. Je sais pas d'où tu viens, je t'avais pas vu. C'est con, il est tombé. Bam! Bon bah ça c'est fait. Ok. 2 balles de snipe, c'est toujours ça de prix. Hop, une ferraille en plus, ça c'est extrêmement intéressant. Là ça devait être un autre sniper à mon avis. Un petit peu de ferraille. Ah, il y a un emblème de Scrotus là-bas. T'es sérieux? Il y en a un autre ici. Comme ça c'est clair. Ah mince, je suis trop con, je voulais mâcher le bouton. Hop, la ferraille. Donc on ira chercher l'emblème à la fin quand on descendra, hein, t'inquiétez pas. Et on remonte. Alors, toi, t'as rien à foutre ici, t'es chez moi. Encore un masochiste? Putain, encore un. Ils auraient peut-être dû les changer de tronche quand même. Je crois qu'il est pas le même que d'habitude quand même. Je sais plus. Faudrait que je vois les différents screens. Gueule de fion. Qu'il est beau. Ah si, ils ont tous les mêmes tronches en fait. Ils ont les tétons percés en plus. Ah, c'est con qu'ils aient tous les mêmes tronches quoi, c'est débile. Ouais, sauf qu'il y en a des noirs, il y en a des blancs quoi. Pourquoi pas.
Hop. Voilà. Et boum. Ça, c'était un des cahiers les plus faciles à battre. Franchement, j'ai eu aucune difficulté. Je l'ai bourré, littéralement. Tuer le caïd. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Il me reste donc une ferraille et un emblème. Sachant que je sais où est-ce qu'est l'emblème. Par contre, si on peut. Couleur de carrosserie débloquée. Acier brut. Ouh. Menace réduite, tu m'étonnes. Hop là. Ça doit faire mal ça. Et voilà. Niveau 1. Et le deuxième. Voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. On va aller voir quand même là. Alors, on a d'autres trucs en plus. Ouh. 1400. Poids très lourd. Lourd, élevé, moyen, léger. Ok. Des pneus comme ça. Ouh. Et les pneus au-dessus, des pneus lisses. Oh la vache. Il y a des pneus lisses quoi dans le jeu. C'est cool. Au niveau des couleurs par contre, là ça m'intéresse. Acier brut. Ouh. 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 J'ai celle-là. Ouais, celle-là est moche hein. Celle-là est stylée. Celle-là aussi. On va mettre la noire. Hop là. Et donc on va redescendre et on va aller chercher ce qui nous reste. Oula, l'espace d'un instant j'ai eu très très peur. Alors j'espère qu'elle est par là. Taillot. Oui, elle est là. Parfait. Alors c'est cool parce que je peux faire ça. Hop. Je peux faire ça pour récupérer ma balle. Même pas. Et récupérer un petit peu de ferraille. Et on a fini à 100% la zone. Bon. Bah, c'était plus rapide que prévu. Faut le reconnaître. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Bah, je crois qu'on va se diriger vers le camp de Scorbut qui est ici. Mais il doit y avoir ceci à côté. Semble-t-il. Hop. Descendons. Voilà. Hop. Alors, allons-y. Hop. Ça se passe extrêmement bien tout ça. Par contre, oui, je m'attendais à vraiment beaucoup plus de difficultés, sachant qu'il est niveau 4 ou niveau 3, je sais plus, niveau 3, je crois. Et oui, c'était une assez grande déception, je dois l'avouer. Ouais, je peux pas revoir le niveau, c'est dommage. Je me suis trompé de route. Bon bah écoutez. Ça arrive, le GPS qui marche pas. Dans ma tête. Elle a une de ses gueules en noir. Je vois plus la route par contre là. Ça y est, je l'ai retrouvé. Oh putain. Hop là, ah, j'ai trop compensé. Dommage. Hop. Voilà. Oh putain. Ça pour arriver à l'info quoi. Oh c'est stylé par contre par là. Wouhou. Ah oui d'accord oui. C'est même compliqué à gérer. Oh, c'est sombre. Oh la vache. Ça, c'était sympa, en fait. Non. Oh putain. J'ai cru que j'allais l'écraser. Bonjour, monsieur. Quoi? What?
Ah, il était trop proche de la voiture, j'imagine. Non, j'ai eu les infos? J'ai pas eu les infos. Ah bah écoute, désolé l'ami, je lui ai fait trop peur, je pense. Merde. C'est con. Pièce ferrailleur, faudra le faire celui-là. Et donc on va aller faire le dernier camp, hein, le camp de Scorbut. Qui a combien? 11 ferrailles dedans? 10 ferrailles dedans, une pièce éclaireur et 6 emblèmes. Allons-y. Raté, vous êtes trop nul. Vous êtes trop nul, vous êtes trop nul, vous êtes trop nul. Donc lui, il va être une véritable plaie derrière. Hop, un autre champ de mine. Oh, il m'a suivi, quoi. Normalement, il devrait pas arriver dans la zone, là. Si, il vient. Non, voilà. Hop. Bam. Ensuite. D'accord, je l'ai vu. La question est-ce que vous l'avez vu, chers amis? Juste là. Ce qui normalement devrait être suffisant pour faire tomber tout le truc en fait. Bon bah ça a l'air sympa comme endroit. Drôlement accueillant en plus. Il était en mode furtif, j'ai l'impression l'espace d'un instant. Alors, 6 emblèmes, 10 ferrailles, un éclaireur. Faut que j'y pense, 6 emblèmes, 10 ferrailles, un éclaireur. Un peu de munitions, ça fait toujours du bien. Bah là, il y a du guerrier. Oh bah d'accord, il l'a fait tomber. Non, non, je vais le faire tomber celui-là. Non? Bon bah. Oh, c'est dommage ça. Tu me fais chier. Voilà. Je déteste ces putains de jaunes. Pas parce qu'ils sont jaunes, qu'ils semblent ressembler à des chinois, qu'ils sont agiles normalement. Voilà, c'est dit. La sorte de munitions est pleine. Voilà, descend. Hop. Attention à la marche, comme dirait l'autre. Un emblème. Un peu de bouffe. Des asticots, que c'est bon. Oh, il en a pris plein la gueule, Max. Oh, la gueule. La gueule qui se tape, le pauvre. Alors, la suite. À gauche ou à droite? Les deux ont l'air bien. Commençons par la gauche. C'est une erreur. Mais non, mais tu comprends bien que c'est pas celui-là qui m'intéresse. Oh. Boum. Putain. Toi tu t'es. Ah, je déteste les jaunes. Non. Tu viens là, c'est fini. Désolé pour ton bras. Voilà. Tu meurs. J'ai dit que tu mourrais. Tu meurs. Allez, meurs.
Voilà. Toujours pas ? Voilà. Bon, par contre, niveau munitions, je suis pratiquement à sec. Ce qui est une véritable catastrophe. Alors. Là, on a un point. 1, 2 et 3. Là, on a de la ferraille. C'est la première. C'est une véritable catastrophe. Là, il y a un passage, donc je vais prendre par le passage. Hop, voilà. Il y a de la ferraille en dessous, j'aurais dû y aller. Et je vais y aller avant d'aller chercher l'élément de projet et l'emblème. Hop, 3. Hop. Élément de projet et l'emblème qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Éclaireur. On va manger un petit coup. Dinkidi. Dinkidi. Dinkidi au menu ce soir. Là. Hop, 1, 2 et 3. Ce qui m'en fait 2 au total. Ensuite, il me faut un explosif. Pour ce qui est de l'explosif, je vais pas avoir ça. Où est-ce que je vais trouver un explosif ? Alors, j'ai pas envie de passer par là pour aller le chercher, et puis j'ai envie de finir la zone, quoi. On va revenir, c'est pas grave. J'aime pas ne pas finir ce que je commence, chers amis. Vous le savez. Alors, je vois un bonhomme par là. Ah putain, j'en vois un. Hop. Oh mais non, c'est... Ah là j'ai eu des baisses de framerate. Ou alors c'est le combat. Oh mais non mais... Mais non. C'est quoi cette hitbox? Boum. Crac, 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 crac. Voilà. Là, j'aimerais un explosif, s'il vous plaît. Alors. Apparemment, c'est pas ici que je vais en trouver non plus. 2 et 3. Peut-être là-bas. Peut-être là-dedans. Attendez. 1, 2 et 3. Un emblème de Scrotus que je n'avais pas vu. Bon, on va le prendre. C'est pas grave, c'est pas comme s'il me fallait une munition et que j'en avais plus que deux. Voilà. Il y en a un autre là-bas. Ok, ça c'est fait. Ça m'ennuie de ne pas avoir de... d'explosif pour cette porte. Ah, putain, j'en ai un là-bas aussi. Comment je le vise? On dirait qu'il faut un sniper, quoi. Attends, je peux pas faire... Bah non, je peux pas l'appeler maintenant. Ah non, faut se mettre sur le... Ouais, je suis con, sur la plateforme d'à côté. Par contre, ça me coûte des munitions, tout ça, les gars. Faut me les filer, après, hein. Voilà, je n'ai plus de munitions de flingue. Donc là, j'en récupère une.
Derrière, il y a de la ferraille. Hop. Hop, pardon. Ah, voilà. En voilà un. Putain, ça c'est bon. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que j'aime finir ce que je commence. Ah là là. Voilà. Parfait. Boum. Merci. Et des munitions. Donc, vous voyez, c'était valable. C'était vraiment valable. Même de la ferraille. Et je vais voir si je peux pas prendre le jerrycan pour monter à l'échelle, mais je crois pas. Si, je peux. Ah, parfait. Hop, on continue alors. Oh, y a tellement de monde. Pas une porte à exploser. J'ai vraiment peur de... Il y en a un là. Il me voit pas. Bah écoutez, on se tait. On ne fait pas de bruit, on dit rien. On y va en mode discret. Appeler. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un petit peu de ferraille supplémentaire. Hop. C'est cool, ça se passe extrêmement bien au final. Par contre là ça va nous coûter un tir et surtout notre discrétion. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Cependant, on peut peut-être s'arranger et aller là-bas. Oh. Non, non, non. On va faire d'abord la reine qui est là. 1, 2, 3. Parfait. Oh, foutu porte. Dans l'autre sens. Merci. Hop. Ah, mais c'est l'entrée en fait. C'est juste l'entrée. Si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Ok, bon bah c'est cool. En fait, non, c'est cool. On peut y aller. Du coup, bah vous savez quoi, je vais lâcher ça. On va pouvoir rusher un petit peu. Il nous reste donc un emblème, 3 ferrailles et on est bon. Et 5 bonhommes. J'en compte 4. Plus la boyarde. Surtout pas que je gâche mon tir. Allez mec, venez. Non, raté. Hop. Excusez-moi. Bla. Allez. Boum. Et boum. Et boum. Et boum. Et boum. Il veut pas. Il veut pas mourir le machin. Ça y est. Ah, bien joué. T'es plus rapide que moi. Voilà. Bon, bah on a fini ce camp, même si on n'a pas encore fini tout ce qu'il y avait à faire dedans. Donc on va aller s'occuper de ça, puis on va se laisser là, chers amis, pour ce troisième épisode de cette session de Mad Max. Donc 3 ferrailles, un emblème. Parfait. Une explosion réalisée ici. De la flotte, juste de la flotte. Et pour cette explosion, il faudra que j'aille rechercher mon baril. Génial. Je traîne mon baril dans cet épisode. Alors. Tombe pas dans le trou. On peut voir de là-bas, on a pu voir tout de suite l'emblème de Scrotus. Qui sera sûrement atteignable via cette porte. Hop, voilà, on le pose bien contre la porte.
Hop là. Oh, le vieux piège. Hop. Parfait. Normalement, j'ai rien à aller chercher par là. On va faire le tour complet du coup. Et on va repasser par ce petit chemin qu'on n'a pas encore pris, normalement. On y trouve donc une ferraille, et peut-être, avec un peu de chance, la deuxième. La voilà, parfait. Bah, tout s'est passé à la perfection, voilà, je vais y arriver. Donc et bah, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais me téléporter directement chez Jit pour espérer pouvoir tomber sur un petit peu de matériel pour le prochain épisode. Voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à cliquer dans le descriptif du lien des épisodes de Mad Max, donc dans lesquels vous pouvez retrouver donc des liens vers mon partenaire gamespet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et donc vers des clés Steam à prix réduit. Voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À demain pour un autre épisode de Mad Max. Et yop.